Je vous présente le petit trépied que j'utilise donc pour faire toutes mes vidéos sur YouTube, donc pour faire tenir ma caméra. Alors j'étais un peu sceptique, celui-là je l'ai trouvé sur Amazon, donc au niveau du prix, franchement grandiose quoi, 13,90€. Alors pour un trépied, 13,90€, ça fait peur. On se dit tiens, qu'est-ce que je vais avoir comme mauvaise surprise? Surtout que si vous regardez les commentaires, finalement, il y a plein de trucs qui peuvent vous dissuader. Je me suis dit, pour ce prix-là, ça vaut quand même la peine d'essayer. Et honnêtement, je suis ravi. Je suis ravi parce que vous allez lire les commentaires, ils vont vous dire qu'il n'est pas stable, qu'il ne tient pas, qu'il fait pas l'affaire, quoi. Alors qu'en fin de compte, si. Donc hauteur minimum 36,5, hauteur maximum 106,5. Le poids 520 grammes. Voilà, donc là vous avez la petite fiche là qui se met par-dessus donc pour la visser donc à votre caméra. C'est super simple et c'est super pratique quoi, parce que là je suis en train de faire la vidéo sans. Je vous explique pas que c'est pas évident de faire tenir la caméra dans le bon sens. Avec ce trépied, c'est grandiose quoi. Voilà. Donc, bon après, c'est écrit en plusieurs langues. Vous n'avez pas grand chose à comprendre finalement. Je vais au moins juste vous montrer l'intérieur, l'emballage. Parce que très souvent finalement, sur les photos que vous voyez sur Amazon, on se fait une idée. Après, si par-dessus ça, vous allez encore lire les commentaires, vous pouvez vous faire une autre idée. Alors que finalement... Je pense que rien ne vaut une petite vidéo pour montrer. Donc en plus de ça, pour 13,90€, vous avez le petit sac pour pouvoir le transporter partout où vous allez. Moi, ça peut m'arriver de partir avec mon gamin, on part à la pêche. Finalement, partir avec pour filmer, pour nous filmer en train de sortir du gros poisson, pourquoi pas. Voilà. Donc, le voici le trépied. Au minimum, comme on a dit, 36,5. Il est génial, quoi. Je vous assure. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer le tout, mais donc pour vous dire, vous avez possibilité de sortir les pieds encore ici trois fois. Certes, après, les pieds sont pas très épais, mais finalement, c'est quand même super stable. Enfin, y a rien à dire, c'est nickel. Donc moi, c'est réellement un trépied que je conseille. Il est vendu par Amazon, donc vous prenez en plus pas trop de risques. Ça vaut vraiment la peine quoi. Il n'est pas moche, après qu'il soit moche ou qu'il ne le soit pas, mais il est quand même super utile. Il est réellement pas cher, donc voilà, je vais pas m'étaler là dessus parce que ça reste un trépied, mais intéressez-vous à ce produit pour ceux qui veulent faire des vidéos. C'est vraiment l'objet indispensable, à un prix vraiment plus qu'abordable. Voilà, donc j'espère que du fait de le voir en vidéo, ça vous aura apporté encore plus d'éléments et que vous vous déciderez si vous êtes à la recherche d'un trépied. Voilà, à bientôt!